On poursuit le train. Les orphelins. Maléfique docteur Croûte-de-Porc. C'est le maléfique docteur monsieur Croûte-de-Porc pour toi. Et j'ai un petit compte à régler avec toi, chéri Foudi. Ya, pile poil. Et ainsi, le diabolique docteur Croûte-de-Porc fut vaincu. Et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut, et tu te fais semer par un cow-boy à cheval? C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'aies construit. Oui, alors je voulais créer une carte où figuraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention, Rex, tu viens de faire tomber Al de la ferme aux jouets dans la barre. Oh, pardon, hey, espèce de tête de linotte, je vais devoir redessiner toute la ville. Pardonne-moi, on est dans quelle zone déjà? Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener, faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Trop fort! On peut aller là-bas? C'est moi? Allons-y! Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets! Génial! On a le téléphone portable! On n'a plus qu'à l'appeler avec le téléphone fixe! Rex est toujours porté disparu. Et il n'a pas rapporté le téléphone sans fil! Il faudrait savoir ce qu'il retient! Viens! Voici le téléphone sans fil. Mais comment est-ce qu'on va le descendre? Monsieur, je pense qu'on peut vous aider. Mes hommes se sont déployés dans toute la chambre, mais sont restés coincés. Si vous parvenez à les libérer, ils feront descendre le téléphone en douceur, je vous le garantis. Soldats, où êtes-vous? Répondez! Présent, sergent. Je suis là-haut, chef. Ici, chef. Par ici. Bien joué! Apporte ce téléphone dans la chambre d'Andy. On trouve Rex et on te rejoint là-bas. Oui, monsieur. Vous avez entendu? Go, go, go! Je sais que tu es quelque part dans les parages, Zurg. Ah! Rex, t'étais censé trouver le téléphone et revenir tout de suite. Le jeu Buzz l'éclair. Nous n'y avons pas joué depuis des années. Ouais, j'ai pu atteindre le secteur Gamma. Je suis presque arrivé à la forteresse de Zurg. Allez les amis, il faut qu'on y retourne. Rex, nous savons que tu peux le vaincre. Mais fais vite surtout.
rencontrons à nouveau Buzz l'éclair. Pour la dernière fois. Non, non, c'est impossible. Ton complot diabolique s'achève là. Maudit sois-tu, Buzz l'éclair. Bienvenue à Sunnyside, les amis. Je m'appelle Lotso. Pour vous souhaiter la bienvenue, nous avons organisé une fête foraine pour les nouveaux jouets. Mes amis ont des tas de jeux à vous proposer. Twitch organise une course qui devrait plaire à votre cheval. Vulcain s'occupe de la course de petites voitures et Chuck du jeu de massacre. N'oublie pas de participer à tous les jeux, mais surtout, souris et amuse-toi. Oh, j'allais oublier. J'ai organisé une chasse au trésor et j'ai caché des cadeaux un peu partout. Alors pensez à regarder de tous les côtés. Allez, entrez et amusez-vous. Oh tiens, bonjour monsieur Cowboy. J'adore votre veste en peau de vache. Je vous resserre un peu de café? Oui, madame. Avec du sucre, de la cannelle et de la crème, s'il vous plaît. Avec joie. Tenez, voilà. Attention, c'est la sorcière. Café déborde et il ne s'arrête plus. Cadabra au café. Écoute-moi, Lotso et sa bande ont reprogrammé Buzz et ont emprisonné Rex, Zigzag, Bayonne et Jesse dans des cellules de haute sécurité. Si tu veux les libérer, fais attention aux projecteurs et aux camions qui patrouillent. Ah oui, et si t'es repéré, l'alarme se déclenchera. Bonne chance. Tu es libre, Rex! Retrouve les autres au château, mais ne fais pas de bruit. Hé, il y a de l'écho. Écho, écho. Zigzag, tu peux sortir. Rendez-vous au château, mais méfie-toi de Buzz. Oui, c'est d'accord, partenaire. Bayonne, je vais te sortir de là. On se retrouve au château et ensuite on file d'ici. Oui, d'accord, Woody. Au final, c'est grâce à notre travail d'équipe que nous en avons réchappé et que nous avons pu rentrer chez nous sains et saufs. Et ensuite, Andy nous a confié à Bonnie. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ici. Des questions? Oui, pourquoi pas l'histoire de Bonnie sur la boulangerie hantée? Oui! T'as oublié une des meilleures parties! Tu ne leur as pas parlé de la pâtisserie hantée? La boulangerie hantée? Je veux l'entendre! Moi aussi, moi aussi! Vas-y, raconte-leur, Bayonne. D'accord, d'accord, calmez-vous. Alors... ce qui s'est passé, c'est qu'une petite boulangerie avait été construite au-dessus d'un cimetière. Des fantômes foudrages ont possédé les pâtisseries. Imaginez ça, un endroit où la nourriture mange les gens. La nourriture mange les gens? Chut, aïe, il est lancé. C'était un soir de pleine lune et les muffins commençaient à s'agiter. Ils avaient déjà mangé tous les habitants de la ville, mais ils avaient encore faim. Non, mes précieux muffins, tu vas me payer. C'est la sorcière qui a fait ces muffins hantés. C'est pour son mariage. Oh, oui. Et elle va épouser le maléfique docteur Côte-de-Port. Ils ont prévu d'obliger le monde entier à goûter leur gâteau de mariage empoisonné pour contrôler télépathiquement toute la population. Belle journée, n'est-ce pas? Et alors, tout à coup, un canon de l'espace géant tomba du ciel. La méchante sorcière, elle s'est battue. Et elle s'est retransformée en gentille poupée. Et des fleurs ont poussé, et il y avait des arcs-en-ciel, et tout le monde était content. Fin! Waouh, Bonnie! Tu as vraiment une imagination débordante. Merci! Plus vite, pile-poil! Nous devons sauver ce train et les orphelins! Depuis que tu m'as battu la dernière fois qu'on s'est vu... Hey, assez discuté, je vais te piétiner à coups de sabot! Abandonne, Côte-de-Port! Attention! Une livraison de la part du maléfique
Je vois ton avenir. Et c'est une catastrophe ferroviaire. Voilà le train! Pendant que tu sauveras les orphelins. Merci, Buzz. C'est du beau travail. No!
Il faut de l'air. Disparaît et ne revient jamais. J'ai envoyé Rex à la cave chercher le téléphone sans fil. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le téléphone portable d'Andy. Puis quand on l'appellera... Andy nous retrouvera grâce au téléphone et il jouera une dernière fois avec nous. Ça me plaît, cow-boy. Yee-ha ! Allons-y. Yee-ha ! Bonjour à vous. Tu m'as vraiment fait décoller. Si on jouait ensemble. Wouhou ! Bonjour à vous. Dès que t'es prêt, je te suis. Salut, je m'appelle Woody. Yee-ha ! Salutations, je suis Buzz l'éclair. Merci pour le taxi. C'est bon. Salutations, je suis Buzz l'éclair. J'espère que ce plan va marcher. Personne n'a joué avec moi depuis des années. Fais attention.
Est-ce que Rex est remonté de la cave? Repose-moi. Ah! Hey, c'est pas mal. Tiens, bonjour. Génial. Du calme, les secours sont là. Wouhou. Joli. Moi. Je pourrais faire ça tous les jours. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, salut. Je n'avais pas trouvé le portable dans le lit, mais j'avais découvert une nouvelle odeur. Oui. Où en étais-je? Hey, salut! J'ai réussi. Oh, super. Waha.
Infomène à Buzz l'éclair, testez votre maniabilité. Vous entrez dans le champ de débris. Activé. Système anti-collision opérationnel. Buzz, quelle est votre situation? Mon jetpack surchauffe. Je continue à pied. Les capteurs détectent une anomalie atmosphérique. Buzz éclair, répondez. Je ne peux pas parler. Que le pire est passé. Attention, nous captons un signal. Ça s'annonce mal. Journal de bord de Buzz l'éclair. Tout porte à croire que cette planète recèle la forteresse de Zerg, mais je ne discerne pour l'instant aucun signe de vie intelligente en vue.
Tu crois que tu vas m'arrêter, Zurg? Buzz l'éclair à Star Command, je suis en approche. Au travail. J'ai heurté quelque chose qui s'apparente à un mécanisme de fermeture alien. Journal de bord de Buzz l'éclair, je suis arrivé à la forteresse de Zurg. Journal de bord de Buzz l'éclair. Je suis dans la forteresse de Zurg. Aucun danger en vue. Terminé. Affirmatif.
Buzz l'éclair à Star Command, je suis en approche. Beau travail. Non.
terrain de bord de Buzz l'éclair, j'ai neutralisé le système de sécurité de Zurg et je me dirige vers la salle de commande. Ne compte pas là-dessus, Zurg. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à chaque fois? Écoutez la tête la première dans mon piège. Ce champ de force va mettre un terme à ton inconscience. Un ranger de l'espace n'abandonne jamais. Tu devrais retourner à la fête et essayer tous les autres jeux. Allez, en selle! Montez à cheval et on verra si vous êtes capable d'être les plus rapides. Allez, en selle! Voyons si vous parvenez à faire sauter tous les ballons pour remporter le gros lot. Pile poil! Vers l'infini et au-delà! L'homme de l'espace est le seul qui soit dit. Plus de cibles droit devant. Ah, hi! Ah non, attends, c'est pas ça. Hi-ha! Oh. Ah. Oh. Pile poil! Vers l'infini et au-delà! Ah, hi! Ah non, attends. Pas mal, cow-boy. Nous avons réussi, mon quadrupède ami. La plupart des jouets sont pitoyables. Vas-y, monte et teste tes aptitudes. Mmh.
Arrête les aliens! Ne les laisse pas franchir cette ligne! Repousse les aliens! S'il y en a trop qui franchissent la ligne, tu es cuit! Personne ne risque de nous oublier ici. Oui, je crois que je pourrais être heureux ici pendant un bon moment. Ah, vous ne me verrez pas monter pile poil. Les cochons et les chevaux ne font pas bon ménage. J'aime bien cette... Ah, vous ne me verrez pas monter pile poil. Les cochons et les chevaux ne font pas bon ménage. Ça va? On n'est pas bien ici? Oh! Ça me sent pas très bien tout d'un coup. Ton rire est comme... Mon tour de taille plutôt conséquent est un gros désavantage pour la course de petites voitures. J'ai fini la course de miniature avec le ressort tout en berlificoté. Cet endroit est vraiment très chouette. Ne surgis plus comme ça dans mon dos. Franchement, c'était idiot. Quoi? Tu ne m'as pas vu? Je suis pourtant grand. Ne surgis plus comme ça dans mon dos. Ça me sent pas très bien tout d'un coup. Ne surgis plus comme ça dans mon dos. J'ai perdu la course de petite voiture lorsque mon arrière-train a glissé à mi-part. Ah, les installations sont du tout dernier cri. Ah, vous ne me... Je dirais qu'il y a 0%. Pas mal, si je puis me permettre. Je dirais qu'il y a 0% de chance pour que nous soyons délaissés ici. Cet endroit est vraiment très chouette.
Ya! Ya! Ah, vous ne me verrez pas monter pile poil. Les cochons et les chevaux ne font pas bon ménage. Tu devrais retourner à la fête et essayer tous les autres jeux. Oh non ! La sorcière t'a rétréci ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Du café, du café partout! Oh non! La pièce est haute de 3 étages, maman! Chante pour sauver ta vie! Si tu y arrives! C'est impossible de n'en prendre qu'une tasse! Oh non, oh non! Monsieur Cowboy, saute! C'est impossible de n'en prendre qu'une tasse! Vas-y, grimpe au mur, ma créature de cappuccino! Son imagination carbure à la caféine. Ah ! Oh non, la revoilà ! Tu ne traverseras jamais ma mer de caféine. Les cow-boys ne peuvent rien contre mes pouvoirs. Et un expresso express, chaud devant. Tu as peut-être vaincu mon café, mais tu ne survivras jamais dans l'espace. Wow. Ha ha!
Tu ne traverseras jamais ma mer de caféine. J'ai des pouvoirs magiques. Tu ne peux pas me vaincre. Et un expresso express, chaud devant. Tu as peut-être vaincu mon café, mais tu ne survivras jamais dans l'espace. On a réussi. Tu t'es échappé du piège de la sorcière, Cowboy. Regarde, un vaisseau spatial. On peut l'utiliser pour s'enfuir. Wow. Oh non, Monsieur Cowboy! Continue! Saute sur l'autre rail! Attention, salle des machines HS. Je répète, salle des machines HS. Une pile! Générateur de secours réactivé. Le boîtier des piles. Et où sont les piles? Essaie déjà de survivre au tourbillon de l'espace. Ils ne peuvent rien contre mes pouvoirs. Génial, une autre pile. Mes sortilèges te débusqueront. Coordonnées interstellaires enregistrées. J'ai des pouvoirs magiques. Tu ne peux pas me vaincre. Joli saut!
décollage orbital prêt. Tourne et tourne sans fin. Attention à ne pas tomber. Tu ne me vaincras jamais. Jamais. Commande de lancement activée. Oh, super! Poison magique, fais ton office. Diabolique a encore échoué.
mon héros. Je pourrais faire ça tous les jours. Journal d'abord. Les prisonniers complotent. Ils font semblant de me connaître. Leurs actions sont déstabilisantes, mais futiles. Ne bouge plus. Silence, tu vas réveiller les petits enfants. Ouah ! Hey, salut, je m'appelle Woody. Hey, salut, je m'appelle Woody. Hey, salut, je m'appelle Woody. Fais attention à cette lumière. Wouah! Woody, fais-nous sortir de là. Attention, faudrait pas déclencher l'alarme. Mais qu'est-ce qui te prend? Buzz l'éclair, qu'est-ce que tu merde. Fais? Silence, cochon tirelire.
Buzz, aide les jouets, je vais arrêter cette machine. Ton aide est appréciée. La zone de déchiquetage approche. Aide-les! Ils courent pas assez vite! Sauve-nous! Continue! À l'aide! Allez, allez, allez! J'y suis presque! Adieu, mes amis. Dépêchez-vous! Plus vite, allez, plus vite! Adieu, mes amis. C'est bien, Jesse. Plus vite, allez, plus vite! Mais pourquoi est-ce que ça accélère? Sauvez-vous! Jesse, fais vite! Continue! Tiens bon, Buzz! J'y suis presque! Bien joué, Jesse! Allez, allez, allez! Rex! Bayonne! Zigzag! Où êtes-vous? Les voilà! Ils sont coincés sous un tas de déchets on sur le tapis roulant! Comme ça! Nous pouvons les sauver, mais en agissant ensemble. Woody, tu restes sur le conduit d'aération. Jesse, tu traverses les tuyaux. Et moi, je reste sur la passerelle. Au secours! Au secours! Au secours! C'est quand tu es prêt, Cowboy. Quelle fin effroyable! Hey, salut! Je m'appelle Woody. Quelle fin effroyable! Comment je vais atteindre le rebord? Salutations! Oh, super! Claire. Au secours! Thank you.
Du calme, les secours sont là. J'arrive pas à me dégager. Ça va demander une grande précision. Les secours sont là. Je te fais revoir. Non. Quoi?
secours! Au secours! Au secours! Du calme, les secours sont là! Wagon de train bancal! Oui! C'est pas une façon de dire adieu au monde! On a réussi! Hey, et encore merci pour ton aide! Je suis fier de te compter parmi mes amis. Oh non! Les muffins hantés ont mangé tout le monde! Je déteste les muffins. Ces pâtisseries fantômes n'ont pas la moindre chance. Ignoble suppôt de petit-déj. D'autres muffins diaboliques arrivent. La sorcière est de plus en plus incontrôlable. Et elle grandit, et elle grandit. Ça peut être géant. Ça va avoir besoin d'une grande puissance de feu pour vaincre cette sorcière. Comme par exemple... un lance-roquette. Non. Un lance la vache. Mais pas mal. D'accord, peut-être un peu. Yeah.
Ah!
Wouhou!